La fidélité d'une femme dépend de son éducation. Ah. Ça n'a rien à y voir avec le comportement de l'homme. Dans ce pays, mon frère. Et oh, je trompe mon gars parce qu'il me trompe. Laisse histoire. Tu es une bordelle. Tu es une bordelle. Ah oui, c'est ça. C'est quoi, Akazu? Tu pensais que tu avais une relation particulière avec Dieu, ce que tu es en train de faire, ce genre de choses? Point d'interrogation. Tu penses que si tu avais reçu une bonne éducation, ce que tu es en train de faire, ce genre de choses? J'ai dit que... Laisse, mon frère. Hey. Ma chérie, ton mari te trompe, reste fidèle. Ah oui, c'est ça. Ne le fais même pas pour lui. Fais-le pour toi-même. Parce que tu es d'abord le temple de Dieu. Tu salis le temple de Dieu, pourquoi? Honnêtement, vous n'avez pas honte. Sous prétexte que tu veux te venger, c'est ton corps qui souffre, c'est ton esprit qui souffre. Ah oui, c'est ça. Akazu, le comportement de l'homme n'a rien à y voir avec la fidélité d'une femme. Soyez fidèle, même s'il monte, même s'il descend, même s'il fait n'importe quoi, tu n'en as rien à foutre. Ah bon, hein? Tu n'as rien à foutre. Attends qu'il meure, parce que les hommes sont appelés à vie de mourir. Laisse-lui quand il va mourir, il va à force monter, descendre, tout ça, on va le stresser, il va vite mourir. Tu te remaries? Jesus Godness! Tu es toujours en train de faire le constat, ta bouche qui parle trop. Seigneur, ça sert à quoi de te prostituer, de faire, de monter, de s'embaser? Lui, te trompe. Tu es la première femme qu'on trompe? Hey, laisse les gens. Donne-moi un seul vertu de l'infidélité pour la femme. Donne-moi un seul. Attends. Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Il faut voir comment les femmes qui ont trompé leur mari aller faire les enfants. Quoi? Il faut voir comment les femmes qui ont trompé leur mari aller faire les enfants. Tu n'as pas honte? Deux qui vivent dans la même maison avec cet enfant. Comment est-ce que chaque jour, tous les jours, ils ont tout peur que, hey, il a découvert. Donc, elles vivent l'enfer à cause de l'infidélité. Vous croyez que c'est pour rien que parmi les 10 commandements, il y a l'adultère à l'intérieur? Seigneur. Vous croyez que c'est pour rien? Soyez sage. Vivez selon la volonté de Dieu. Ouais, ça c'est très bien. Vivez selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Ah oui, c'est ça. C'est, ton gars te trompe, tu décides de le tromper. Le regret de la femme est immense. Faites attention. Faites attention. Parce que nous sommes dans une société où tout accomplissement change. Que comme ton gars te trompe là, trompe-le. Hey. Elle a 17 ans. Moi j'ai 40, j'ai 44 ans. Ah! Attends. Mais elle a choisi de vivre avec le vieux. Pourquoi il a fait ça? On quitte là-bas. Et je suis très fier. Je vous demande de féliciter les petites qui adorent foyer comme les vieilles femmes d'avant, sans regarder l'âge. Oui, Dieu me donne tout plaisir que je veux. Tu n'as pas honte? Tout ça, c'est le manga, hein? Seigneur, jusqu'à quand? Je suis très heureux avec elle. Et je donne conseil aussi à ma génération de 44 ans de mieux choisir, de ne plus doter femme sauvagement. Yeah. Vraiment, je suis étonné. J'ai doté une fille à Dioukoué qui s'appelle Dion Deborah. Un bœuf pour réception. Deux bâches, les artistes. J'ai mis tôle sur maison de ses parents à Dioukoué. J'ai tout fait pour elle. La sorcellerie n'a pas voulu. Elle s'est cherchée. Ma gueule est partie. Elle m'a escroqué. Ma gueule, je ne sais pas où elle est. Mais tellement que j'ai décidé de vivre avec elle toute ma vie, récente ma vie. Mais je ne savais pas que c'est une fille de joie. Elle aimait la joie avant. Avant, elle était bouclée. Moi, je pensais la lever dedans. Mais je ne savais pas que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Elle n'a pas changé. Elle m'a trahi. Elle m'a fait doter. J'ai dépensé. À cause d'elle-même, j'ai perdu mon boulot. Mais aujourd'hui, elle prend les pasteurs, elle prend les gens, elle continue de m'escroquer, me fait croire que parce que je l'ai doté, elle revient à son foyer pendant que c'est faux. Femme! Non! Oh, quitte là-bas! Quitte là-bas!
Elle est dans Goethe là. Elle fait sa vie avec d'autres personnes. Vous avez vu, mes amis, je vous donne conseil. Ne dotez plus femmes comme ça. Ne prenez plus n'importe quel morceau de bois en brousse pour envoyer au village pour dire que j'ai femme. Ah oui, c'est ça. Tu vas doter ton ayant parti cadeau. Dot n'est plus respecté. Déborah m'a montré que Dot n'est plus respecté au monde. Et son père aussi, un ivrogne. J'étais en train de construire une maison pour lui, il a tout vendu. Et Déborah et sa famille ne sont pas reconnaissants. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ils ne sont pas reconnaissants. Depuis quand vous avez vu Dot, on s'en paye, on paye un bœuf pour réception. Un bœuf hein, pour réception. Les artistes, tout. Dépenser. Mettre Toll sur la maison de ses parents. Depuis ses parents sont à Dioko, ils sont en bas de bâche. On se moque de j'ai mis Toll. J'étais en train de construire. C'est cette fille-là aujourd'hui. Avant, elle était bouclée à main. Et puis, il l'a enlevé à main, il me l'a envoyé. Et puis, j'ai pris, j'ai donné toute ma vie à cette fille. Aujourd'hui, elle m'a lâché parce que je n'ai plus rien. Elle a fui, elle est dans Coette là. C'est ce traître. Azou méritait Pandazon. Mais je la remercie. Mais elle continue de m'arnaquer toujours. Mais je vous donne conseil. Ne dotez plus femme comme ça. Non, c'est déçoignant, je suis déçu. Toi aussi, ton mari ne te satisfait pas éthiquement parlant. Tu n'as pas le droit de le tromper. Chérie, je vois comment tu te mets au régime. Ça me dit, ça va choper. Hey! Hein, bébé? Voilà. Oui, mon cœur. Peut-être que je vais diminuer ton gros ventre, là-bas, ça m'étouffe. Jésus! Et tes ronflements là, la nuit, là, parce que quand tu es posé, là, on va nous sentir. Demain, marche, la loue des rangs. Maman, supporte seulement. Mon bébé! Hey! C'est pas possible. Ouais, chérie. Oh, mon chou pépé. J'ai les familles. Ah là là. Donc, quand éthiquement parlant, ton homme, ton mari, plus précisément, ne te satisfait pas, si tu ne peux pas t'ajuster, lui montrer comment faire pour te satisfaire et que tu penses dans ta petite cervelette que tu as à l'intérieur là-bas, qu'il n'y a rien dedans là, que tu peux l'aider à te donner du plaisir. Et porte tes clics et tes claques. Tu rentres chez ton père et ta mère. Ah oui, c'est ça. Et tu reprends ta bordelerie comme tu avais commencé. Ah oui, c'est ça. Que de rester dans la maison de cet homme-là. Il fait ce genre de bêtises. Parce qu'il n'y a rien qui diminue un homme que d'avoir une femme infidèle. Ça fait que tout ce que l'homme là va entreprendre ne va pas marcher. J'ai dit que, mais mon frère, hey. Parce que toi, sa femme, tu es impure. Un homme peut être infidèle, mais l'infidélité de la femme, elle est moche. Okay. Est-ce que le volume est bon? On verra bien. On verra bien. Hey! Jésus! Jésus! Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi, like, lâche-moi même un commentaire si possible. Ash, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.